Eh bien, salut à tous, c'est Evos qui aujourd'hui se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous ne voyez pas encore parce que j'ai flouté et je vais apparaître dans 2 secondes. Et maintenant, voilà, j'ai tenu parole pour mes 150 abonnés. J'ai acheté le costume Doctor Strange et je serai au cinéma du coup avec ce costume le 4 mai à 20h30 au Cinéville de Laval pour la séance de Doctor Strange 2, l'univers Madness. Du coup, je serai là, bah, je serai habillé. Et comme en plus on a fait les 200 abonnés, vous pouvez mettre dans les commentaires la phrase que vous voulez que je dise en plein devant le cinéma. Oui, parce qu'en fait, je vais me lever de mon siège, j'irai devant la scène et je dirai à tout le monde la chose qui a été écrite dans les commentaires et qui a fait le plus de j'aime ou que les gens ont plus aimé. Alors, n'hésitez pas à mettre plein de choses dans les commentaires parce que pour la prochaine vidéo Doctor Strange, c'est ce que je dirais. Merci d'ailleurs aux 200 abonnés et 226 même, je crois. Je pensais pas faire autant avec la vidéo Morbius. Alors, je comprends pas pourtant Morbius. Il y a vraiment peu de gens qui sont allés le voir parce qu'ils trouvaient pas terrible. J'ai pas compris. Ensuite, il y a eu la vidéo Sonic qui est sortie 2 semaines après parce que j'étais terriblement malade. Et j'ai reçu mon costume dans les 2 semaines où j'étais malade. Et regardez comme il est beau. Wouhou! Ah! Bon, par contre, il me manque encore, vous voyez pas, il me manque encore les bottes. Il faut que je trouve des Rangers et il faut que je mette des sangles bleues. Parce que là, actuellement, bah, je suis chez moi, donc je suis en chaussons. Mais sinon, j'ai tout le reste, j'ai tout reçu. Alors, c'est l'uniforme de Doctor Strange 2, parce que le 1, le celui du premier film, n'était plus disponible. J'ai pas mis les gants aussi comme dans Thor Ragnarok, parce que je trouve que ça fait un peu dégueu. Et surtout, en plus, cette version-là se rapproche plus des comics. Donc, je suis assez content de celle-là. Là, j'essaierai de trouver juste le manteau du premier film, parce qu'en fait, en soi, la tenue de Doctor Strange, elle change pas, à part juste le manteau du premier film. Après, tout le reste, c'est exactement les mêmes accessoires. Mais sinon, voilà, j'ai mon costume, j'ai respecté ma part. Aussi, pour Thor 4, la bande-annonce est sortie il y a peu de temps. Donc, le film a l'air incroyable. Donc, quand le film sortira, je serai malheureusement pas chez moi, ni à Laval pour aller voir le film. Je serai à Paris. Oui, je serai parisien, en effet, c'est un peu bizarre dit comme ça. Je serai à Marne-la-Vallée parce que je travaillerai en cuisine à Disneyland. Donc j'irai directement le voir là-bas, au Gaumont-Pathé, quand j'aurai un petit temps de libre, on va le dire. Hein, parce que quand tu travailles à Disneyland, c'est quand même qu'il y a beaucoup de monde toute la journée. Donc je prendrai mon temps de repos pour aller le voir. Donc ce sera peut-être pas le 13 juillet que vous aurez la vidéo de Thor. Sachant en plus qu'il faudra que je la monte et sachant que ce sera que sur mon téléphone parce que bah, j'aurai pas mon PC fixe à Disney. Hein. Je vais pas l'emmener de là-bas au studio. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Sachant qu'on n'a toujours pas de bande-annonce pour Avatar ni pour Black Panther 2 qui est censé sortir cette année aussi, sachant que la bande-annonce de Avatar va être normalement montrée pour Doctor Strange 2. Donc, pour la vidéo de Doctor Strange 2, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez avoir la vidéo de la bande-annonce d'Avatar en même temps ou sur une autre vidéo que je montre comme ça, juste la bande-annonce. Alors, dites-le-moi vite et moi, je vous dis au 4 mai à 20h30. Salut!